Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous déballer l'iPhone 7 ainsi que l'iPhone 7 Plus couleur rouge. Alors moi qui avais peur de ne pas les avoir à temps pour en faire une vidéo, eh bien j'en ai reçu 3 dans la même journée. Là pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne YouTube, vous ne comprenez sans doute pas pourquoi j'ai autant d'iPhone. Et je vous dirais oui, vous avez tout à fait raison. C'est complètement ridicule d'en avoir autant. Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne dans le domaine high-tech, où je teste des smartphones, des objets high-tech insolites, et plein d'autres choses. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et du coup c'est tout à fait logique que je vous présente ici la nouvelle couleur rouge sur un iPhone 7 Plus et un iPhone 7. Ça vient tout juste de sortir et c'est de l'actualité. Et en fait, parmi ces 3 iPhones, il y en a notamment 2 qui ne sont pas à moi et que je renverrai quand la vidéo sera terminée. Ou pourquoi pas, ça peut être cool, je pourrais organiser un joli concours. Justement, est-ce que ça vous intéresserait de gagner un iPhone 7 couleur au choix? Si oui, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous êtes nombreux, je verrai ce que je peux faire. Ensuite, le troisième m'appartient. Je devais le recevoir pas tout de suite, mais finalement, je l'ai eu assez rapidement. Mon smartphone personnel actuellement, c'est un iPhone 7 Plus 32Go couleur gold. Et 32Go, c'est assez limite. J'ai à chaque fois le petit pop-up pour me dire que j'ai pas assez de place. Donc du coup, je me suis dit, si Apple propose une couleur rouge, eh bien que ça sera le moment de changer. Donc du coup, j'ai pris un iPhone 7 Plus rouge, 256Go. Là, j'aurais pas de soucis de mémoire. En plus de ça, j'ai une réduction assez sympathique de moins 37% grâce à un pote qui travaille chez Apple. D'ailleurs, merci à toi, Guillaume. Donc du coup, j'ai l'iPhone le plus cher au prix de l'iPhone 7 32Go. Donc ça veut dire que si j'ai envie de m'amuser à le revendre, j'arriverai même à le revendre plus cher que le prix que je l'ai acheté. Vous savez plus quoi dire, les personnes qui voulaient me traiter de pigeon. Bon bref, le blabla c'est terminé, maintenant je vous propose de les déballer. Bon, dans la logique ça sert à rien que je déballe les deux iPhone 7 Plus puisque c'est pareil. Donc celui qui est pas le mien, je le mets de côté. Je vous propose de déballer en premier, tout simplement le mien. Comme vous pouvez le voir au niveau du packaging, c'est un packaging très classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Apple. De face, on a donc l'arrière de l'iPhone couleur rouge. Sur le côté droit et gauche, on a iPhone qui est écrit en rouge. Et ensuite, le logo pomme en haut et en bas en rouge. Je vais enfin plus avoir ce fameux pop-up qui m'embêtait. Ah, ça fait plaisir. Bon, déballage classique, hein. On a une petite pochette avec les logos Apple, ensuite la notice, la petite épingle pour enlever le tiroir d'application, et puis ensuite un petit papier justement qui informe qu'est-ce qu'on a acheté comme produit. Parce qu'en plus bien sûr d'acheter un smartphone couleur rouge, cet iPhone fait partie de la catégorie RED de chez Apple. La catégorie RED, c'est quoi? C'est tout simplement, déjà vous l'avez compris, des produits de couleur rouge. Ce sont également des produits en édition limitée. Donc il y aura un moment où vous aurez du mal à le trouver. Et puis en plus d'être en édition limitée, vous contribuez à la recherche contre le sida. Puisqu'une partie de l'achat de votre iPhone est distribuée directement à des programmes de recherche contre le sida. Donc comme j'avais dit dans ma vidéo de présentation des nouveaux produits d'Apple qui est sorti la semaine dernière, en quelque sorte c'est un petit moyen de vous rassurer, de vous dire que voilà, j'ai acheté un produit cher, ok, mais derrière je fais une bonne action. Maintenant, le fameux iPhone 7 Plus couleur rouge, j'enlève la protection, je n'ai pas regardé. Ah ouais, ça claque. Franchement, c'est magnifique. J'attendais avec grande impatience justement un iPhone couleur rouge. J'espère que Samsung, quand ils vont présenter leur Galaxy S8, va présenter un rouge. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Mais vu que Apple maintenant a sorti officiellement un rouge, peut-être que Samsung va décider de sortir un rouge dès la sortie du Galaxy S8. Je l'espère. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Donc on a un arrière en aluminium couleur rouge. Extrêmement classe. On a le logo de la pomme qui est couleur, on va dire couleur argent. Il y a des moments, quelquefois, on a l'impression que c'est couleur or. Tout dépend vraiment de la luminosité, mais franchement, l'arrière est vraiment classe. Tout en dessous, on a, comme tous les produits Apple, iPhone qui est écrit. Cependant là, comme c'est la gamme RED, on a Product RED qui est justement imprimé à l'arrière. Le contour aussi est en aluminium et de couleur rouge. C'est vraiment classe. Ah, il est vraiment magnifique. Par contre, le devant, les amis, je suis grave déçu. C'est tout en blanc. J'aurais bien aimé avoir un devant entièrement en rouge. Là, je pense qu'il aurait été largement plus beau. Ou soit une face noire, ça pourrait être plus cool. Autre point négatif, c'est que le rond qu'on a justement au niveau du Touch ID, il est de couleur argent. On l'a même pas couleur rouge.
Et ça, je trouve ça pas terrible, terrible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est ce que justement m'a dit des employés de chez Apple, et on a eu aussi la confirmation sur certains sites internet, c'est que l'iPhone qui se vend le moins, c'est celui en couleur argent. Et donc, du coup, pour déstocker justement les iPhones qu'ils n'arrivent pas à vendre, eh bien, peut-être que Apple a décidé de faire ce produit Red, tout en mettant justement une face qu'on a sur l'iPhone 7 ou 7 Plus couleur argent. C'est très intelligent de la part d'Apple, mais après pour les clients, c'est pas franchement super sympa. Je vais cache le protéger avec mon bumper Rhino Shield, comme ça je suis sûr que s'il tombe, il sera pas cassé. Ah, franchement, avec le bumper, ça rend super bien. Bref, maintenant on va parler de ce qu'on a à l'intérieur de la boîte, les trucs classiques, le chargeur secteur USB, les écouteurs Apple et puis le câble Lightning. Maintenant, je vous propose qu'on aille découvrir l'iPhone 7 rouge. On en avait également la protection. Franchement, l'arrière rouge est quand même super stylé. Ah là 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 là. Il est vraiment magnifique. Si vous n'avez pas l'intention de l'acheter, n'hésitez quand même pas à aller dans un Apple Store pour aller le voir. Parce qu'il vaut quand même le détour. Bien sûr, pour les passionnés de l'high-tech. Hein. Donc là, on a l'iPhone 7 Plus Red et là l'iPhone 7 Red. La couleur, elle est juste géniale. Justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement du design de l'iPhone. Franchement, pour moi, c'est la plus belle couleur qu'Apple ait sortie. On va pas se mentir, Apple sont vraiment super forts pour le design de leurs produits. Mais malheureusement, on le sait tous, c'est pas donné. En tout cas, j'espère que quand Apple va sortir son nouvel iPhone cette année, il va le proposer en rouge parce que j'en suis convaincu qui va faire un grand carton. Après, pour ceux qui veulent savoir, l'iPhone de couleur rouge est disponible uniquement avec deux capacités de mémoire, 128 Go et 256 Go, c'est comme pour la couleur noire de G. Donc du coup, si vous voulez l'avoir en version 32 Go, ce n'est pas possible. En ce qui concerne le prix, c'est complètement le même que les autres couleurs. Il ne coûte pas plus cher que les autres. Il y avait plein de personnes qui disaient « Oh, il coûte plus cher », mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que comme là, on n'a pas de version 32 Go, le prix qui est indiqué sur le site d'Apple, c'est celui du 128 Go. Du coup, il y a plein de personnes qui se sont mélangées les pinceaux et qui, bien sûr, se sont amusées à faire des critiques pour rien. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo déballage de ces nouveaux iPhones couleur rouge, bah, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !